Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez bénis, nous disons bonjour au Saint-Esprit. Nous disons bonjour au Saint-Esprit ce matin. Nous reconnaissons sa présence. Amen. Et shalom à la personne qui est connectée à côté de vous. Alors dites-moi si vous m'entendez ce matin. Dites-moi si vous m'entendez ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Gloire à Dieu. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien? Soyez bénis, soyez bénis. Nous disons bonjour au Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne la place de... prenne la place dans cette prière. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Merci Jésus, merci Jésus. Alors s'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo et partagez dans les différents groupes pour que les autres puissent savoir que nous sommes déjà là. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, gloire à Dieu, dites shalom à la personne qui est connectée à côté de vous, gloire à Dieu, des bragues, shalom, shalom, merci Seigneur, aimez la vidéo pour permettre à d'autres de pouvoir recevoir le lien ce matin et de se connecter aussi, ok. Alors, nous allons commencer notre session de ce matin. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père de gloire, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci, ô Dieu, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai. Tu es l'Éternel, le Dieu Elohim, celui qui vit à jamais. Le créateur de toutes choses. Ce matin, nous venons encore te célébrer. Ce matin, nous voulons encore, Père, nous joindre à la prière des anges. Nous voulons encore nous joindre à la louange des anges. Nous voulons nous joindre à la célébration des cieux afin de te louer, afin de te célébrer, afin de te rendre grâce, ô Dieu. Merci, Père, car ce matin, c'est toi qui nous as réveillés. C'est toi qui as permis que nous puissions encore être dans ta présence. Merci de nous avoir attirés dans ta présence ce matin. Merci de nous avoir réveillés alors que nous étions en train de dormir et que nous nous sommes oubliés. Nous nous sommes, Seigneur, oubliés. Nous ne savions plus qui nous étions. Mais Père, par ton amour, tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné le souffle, tu nous as donné l'être, tu nous as donné le mouvement afin que nous puissions encore te célébrer. Tu nous as comptés parmi les vivants ce matin pour que nous puissions t'adorer. Pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions encore faire ta volonté. Nous te bénissons ce matin, nous te louons. Seigneur, nous reconnaissons ce matin, Seigneur, que tes bontés ne sont point épuisées et que tes compassions ne sont point à leur terme. Elles se sont encore renouvelées pour chacun de nous ce matin. C'est pour cela que nous te célébrons et que nous te louons. Père, nous te prions de contrôler encore cette prière par le Saint-Esprit. Nous te prions de purifier encore, de sécuriser encore ce temps de prière par le sang de Jésus. Et que tout soit pour la gloire de Christ, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur ce matin. J'acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous acclamons le Seigneur ce matin car c'est une joie de nous tenir encore dans sa présence. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce bien-aimée d'être dans la présence de Dieu très tôt le matin, de devancer l'aurore. C'est une grâce. Beaucoup de personnes sont en train de dormir. Beaucoup de personnes sont dans leur couette. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de se réveiller pour prier ce matin. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions être dans sa présence ce matin et nous reconnaissons que c'est une grâce venant de lui. Nous reconnaissons qu'il n'y a que Dieu
qui peut faire cela. Nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous permet de nous tenir debout, c'est lui qui nous permet aussi d'entrer dans sa présence. Alors ce matin, nous sommes des sélectionnés, nous sommes des personnes divinement sélectionnées par son amour, divinement sélectionnées par sa bonté, afin que nous puissions être dans sa présence. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous voulons encore prier, nous voulons intercéder. Et ce matin, ça sera encore la prière de feu. Amen. La prière de feu, afin que nous puissions encore voir la gloire de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le psaume 124 à partir du verset 7. Psaume 124, nous allons lire au verset 7 et nous allons aller jusqu'au verset 8. Gloire à Dieu. Ok, nous lisons la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Psaume 124, au verset 7 à 8. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je répète encore. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Alléluia. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Alléluia. Des oiseleurs. Ici, en prenant juste cette portion où David est en train de dire que notre âme, c'est-à-dire nos âmes ou encore mon âme, s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu. Ici, nous comprenons directement la notion que une âme peut être emprisonnée. Alléluia. Ici, nous voyons que une âme peut être emprisonnée. Une âme peut être capturée. Capturée comment? Capturée dans le monde spirituel. Capturée dans le monde des ténèbres. Une âme peut être enfermée. Et cela peut ramener beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Alléluia. Une personne bien-aimée qui est en train de vivre, des angoisses, qui est en train de vivre des choses, des confusions, des choses qu'elle ne comprend pas, il se peut que son âme soit emprisonnée. Quand on parle d'une âme qui s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, ça veut dire qu'au préalable, l'âme avait été emprisonné. Alléluia. Et David montre la délivrance que Dieu a accordée à son âme. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Il dit, le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, ça veut dire que quand tu appelles le secours de Dieu dans ta vie, Dieu vient détruire tout filet qui avait capturé ta vie. Dieu vient détruire tout filet étranger qui avait emprisonné ta vie. Dieu vient détruire tout filet étranger qui est en train de bloquer ta destinée. Quand on parle de l'âme d'une personne bien-aimée, l'âme d'une personne, c'est sa destinée. L'âme d'une personne, c'est son étoile. L'âme d'une personne, c'est son futur. Parce que quand une âme est captivée, une personne ne peut rien faire. Quand une âme est emprisonnée, une personne ne peut rien faire. La personne va commencer à se battre, mais elle risque de tourner en rond. Pourquoi? Parce que son âme est captivée. Son âme est captivée et son âme est emprisonné. C'est pour cela qu'il faut appeler le secours de Dieu. C'est pour cela qu'il faut appeler Dieu pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse étendre sa main, pour qu'il puisse ramener la délivrance. Des fois dans la vie, bien-aimé, on a besoin de délivrance. Dans la vie, on a besoin de délivrance. Je pourrais même dire, c'est pas des fois. En fait, on a même souvent besoin de délivrance. Alléluia. On a souvent besoin de délivrance. Pourquoi? Parce qu'un domaine de notre vie peut être capturé par l'ennemi. Un domaine de notre vie peut être contrôlé. Des fois, l'ennemi agit tellement avec malice que
un domaine de ta vie peut être très bien. Un certain domaine de ta vie peut très très bien marcher, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais dans un autre domaine, le diable contrôle. Dans un autre domaine, l'ennemi est en train de contrôler. L'ennemi a capturé quelque chose. L'ennemi a emprisonné quelque chose. Maintenant, toi, quand tu vas seulement voir que non, bon, tout va bien du côté de mon mariage, tout va bien du côté de mon travail, mais peut-être que tes finances ont été capturées par l'ennemi. Peut-être que le diable contrôle tes enfants. Peut-être que le diable contrôle ton entreprise. Peut-être que l'ennemi cherche à contrôler ou il cherche à emprisonner un autre domaine. Donc, il viendra toujours pour vouloir emprisonner un autre domaine. C'est pour cela que toi, tu dois te lever dans la prière et détruire toutes les manigances du diable dans ta vie. Tu dois détruire toutes les manigances du diable dans ta vie. Dis avec moi, écris avec moi, je dois détruire toutes les manigances du diable dans ma vie. Je dois détruire toutes les manigances du diable dans ma vie. Partout où il y a un domaine de ta vie qui est emprisonné, un domaine de ta vie qui est capturé, un domaine de ta vie qui est bloqué, tu dois te lever dans la prière pour détruire toutes les manigances du diable. C'est pour cela que David a dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ce matin, alors que nous allons prier le Seigneur, le filet va se rompre, alléluia, et tout ce qui a été capturé, tout ce qui a été emprisonné va s'échapper dans le nom de Jésus, alléluia. Le filet va se rompre, le filet s'est rompu. En fait, tout piège qu'on a tendu contre toi, là où on avait pris quelque chose qui t'appartient, là où on avait emprisonné quelque chose qui t'appartient, quand on va commencer à prier, quand on va se mettre dans la prière, le filet va se rompre dans le nom de Jésus. Alors avant de prier, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir que quand on fait la prière, quand un enfant de Dieu se met à prier, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Alléluia! Que personne ne vous trompe, que personne ne vous ramène la confusion, que vous ne puissiez pas être dans les doutes, vous dire est-ce que quand je prie, quand un enfant de Dieu prie en esprit et en vérité, et que l'enfant de Dieu se met à prier, il y a des mouvements qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des changements qui se passent dans le mouvement spirituel. Il y a des choses qui sont remises en place. Alléluia. Il y a des filets qui se brisent dans le mouvement, dans le monde spirituel. Il y a des filets qui se brisent. Il y a des choses qui se font. Alléluia. Il n'y a pas de prière où quand tu fais, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas possible. Il y a des mouvements qui se font dans le monde spirituel. Il y a la délivrance qui vient. C'est pour cela que tu dois croire en ta prière. Tu dois croire que là où tu as engagé le nom de Jésus, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dieu va écouter ta prière ce matin. Alléluia. Nous voulons faire l'intercession par rapport à nos vies. Nous voulons faire l'intercession. Je veux que tu puisses prier par rapport à ta vie. S'il y a un domaine, je dis bien, s'il y a un domaine qui est emprisonné quelque part, alors que le filet puisse se rompre ce matin, dans le nom de Jésus. Que ce filet puisse se rompre ce matin. Et je vous ai toujours dit, vaut mieux chasser le diable là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Amen. Vaut mieux chasser le diable. Vaut mieux détruire les œuvres de l'ennemi là où il n'y a pas les œuvres de l'ennemi que de ne rien faire et de laisser l'ennemi prospérer et de laisser l'adversaire continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Il faut prier. Vaut mieux prendre autorité. Vaut mieux prendre autorité là où Satan n'est pas que de le laisser là où il est. Alléluia. C'est pour cela ce matin, nous voulons prier, faire la prière de feu et tout simplement faire la prière d'intercession. Appeler l'intervention de Dieu dans ta vie. Appeler l'intervention de Dieu dans ta maison. Appeler l'intervention de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et que le feu de Dieu puisse ramener la vie. Que le feu de Dieu puisse briser, puisse brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu de Dieu puisse ramener l'ordre divin là où il y a le désordre. Que le feu de Dieu puisse rompre tous les filets qui étaient en train de contrôler un domaine de ta vie. Que le feu de Dieu puisse ramener la joie dans ta maison. Que le feu de Dieu puisse détruire toute semence étrangère, toute semence qui n'est pas de Dieu, toute semence que Dieu ne reconnaît pas dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille. Tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Et au verset 8, David dit, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux
et la terre. Bien aimé, le secret de la prière exaucée est que quand tu pries, tu dois croire, tu dois avoir une foi ferme que ton secours est dans le nom de l'Éternel. Ton secours est dans le nom du Seigneur. Ton secours vient de Dieu. Le Dieu qui a fait quoi? Qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, j'aimerais te dire que le Dieu que tu pries contrôle les cieux et il contrôle la terre. Alléluia. Le Dieu que tu pries contrôle les cieux et contrôle la terre. Tout ce qui est fait contre toi au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel, alléluia, Dieu contrôle, Dieu contrôle, Dieu contrôle. D'ailleurs, ce qui est fait contre toi plutôt au premier ciel et au deuxième ciel. Parce qu'au troisième ciel, c'est Dieu. Alléluia, il y a trois cieux. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Le premier et le deuxième ciel, bien aimé, c'est les esprits qui contrôlent. Mais le troisième ciel, c'est Dieu. Donc, tout ce qui est fait contre toi au premier et au deuxième ciel, Dieu est au contrôle de cela. Il contrôle toutes choses. Qu'on fasse quelque chose contre toi au travers des cieux, Dieu contrôle. Qu'on fasse quelque chose contre toi sur la terre, Dieu est au contrôle. Et il contrôle aussi tout ce qui se passe sous la terre. Il est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ça veut dire que rien n'est caché devant lui. Partout où on peut se dresser contre toi, partout où on peut se lever contre toi, partout où on peut faire des complots contre toi, les yeux de l'Éternel voient. Alléluia. Ses yeux voient. La Bible dit que celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Il voit et il entend. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à sa capacité de contrôle. Rien n'échappe à sa force. Il est l'Éternel qui contrôle le monde. Il est l'Éternel qui contrôle la terre. Il est l'Éternel qui contrôle toutes choses. C'est pour cela que ce matin, alors que tu vas prier, tu dois avoir la foi que le filet va se rompre dans le nom de Jésus. Tout filet invisible, tout filet inconscient, parce que des fois un filet peut être inconscient, mais tu ne sais pas en fait qu'il y a un filet, tu ne sais pas qu'il y a un filet qui est là et qui contrôle un domaine de ta vie. Tu ne sais pas que la situation que tu vis est causée par un filet des ténèbres. Tu ne sais pas que la chose qui t'arrive est contrôlée par un filet spirituel. Donc c'est un filet inconscient, un filet inconscient. C'est pour cela que je dis ce matin, que ça soit un filet conscient ou inconscient, ce filet va se rompre, ce filet va être détruit dans le nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi avait capturé, tout ce qu'il avait emprisonné dans ta vie, va s'échapper maintenant dans le nom de Jésus. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Que l'ennemi ne contrôle pas ton âme, que l'ennemi ne contrôle pas ton étoile, que l'ennemi ne contrôle pas ton futur, que l'ennemi ne contrôle pas ta vie, mais que tu puisses jouir des promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Que tu puisses jouir de la grâce de Dieu pour ta vie et que tu puisses voir la gloire de Dieu ce matin au travers de cette prière maintenant dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous voulons rentrer dans notre intercession de ce matin. Alléluia. Nous voulons rentrer dans notre intercession de ce matin. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur avec foi, prie avec foi, prie avec foi, prie avec un cœur disposé, un cœur qui est prêt à recevoir de Dieu, un cœur qui croit que alors que je lève ma voix maintenant, Dieu va encore se manifester encore une fois dans ma vie et dans ma maison. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas bénir le Seigneur, tu vas lui dire tout simplement: Tendre Père, je te bénis ce matin. Merci pour ce temps favorable que tu m'accordes encore d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour ce temps favorable que tu m'accordes d'être encore dans ta présence ce matin dans le nom de Jésus. Commence à prier. Célèbre le Seigneur ce matin. Alléluia. Célèbre le Seigneur ce matin. Et j'aimerais te dire que le réseau, il est bon ce matin. Le réseau est bon. Ta prière monte, ta prière va tout droit jusque devant l'Éternel parce que le réseau, il est très bon ce matin. Alors commence à prier le Seigneur, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci au Père pour cette opportunité qu'il t'accorde encore d'être dans sa présence. Dis merci au Père pour la motivation qu'il te donne encore ce matin d'être dans sa présence. Dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde encore ce matin d'être dans sa présence.
commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, merci encore pour l'opportunité que tu m'accordes ce matin pour être dans ta présence. Merci Père, ô Dieu, pour ce temps merveilleux. Merci Père, ô Dieu, pour ce moment où tu vas encore me faire du bien. Merci Père pour ce moment merveilleux où tu vas encore accomplir ta volonté dans ma vie. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je te magnifie. Je viens te célébrer ce matin. Je viens chanter ce chant merveilleux qui est saint, saint, saint et l'éternel, le Seigneur notre Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Oui, je viens dire que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu puissant. Je te dis merci. Merci Père, car tu vas encore me faire du bien ce matin. Merci Père, car tu vas encore me toucher ce matin. Merci Père, car tu vas encore transformer ma vie ce matin. Merci Père, car tu vas encore me faire du bien. Merci car tu vas encore changer ma vie. Merci car tu vas encore m'établir ce matin. Merci car tu vas encore me façonner ce matin au travers de la prière. C'est pour cela que je te célèbre ce matin. C'est pour cela que je te loue ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Toi qui vis à jamais, toi qui règnes à jamais. Oh, je te bénis, je te loue, je t'exalte parce que tu es Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ta paix, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Oh, merci Seigneur, parce que devant le combat, tu n'échoues jamais et tu ne choueras jamais. Merci parce que tu es l'éternel fort dans le combat. Merci parce que tu es l'éternel puissant, l'éternel qui révèle les choses qui sont cachées. Merci parce que tu es l'éternel devant qui, Seigneur, rien n'est caché. Tout ce qui est caché finit par être exposé parce que tu es le Dieu de la révélation, parce que tu es le Dieu de la lumière. Nous te bénissons, nous te louons encore, nous te magnifions encore ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci pour le salut de mon âme. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que je suis ton enfant. Merci d'avoir fait de nous des sacrificateurs et des rois en Christ. Merci de nous avoir transformés. Merci de nous avoir changés. Merci Seigneur, car tu nous fais du bien. Reçois la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas dire avec moi, ô mon Père, ce matin, que le ciel s'ouvre, alléluia, que le ciel s'ouvre pour mes prières. Oh, ce matin, que le ciel s'ouvre. Dis, en fait, demande au Père que ce matin, que le ciel s'ouvre, alléluia, que le ciel s'ouvre pour tes prières, que le ciel s'ouvre pour tes prières par le feu dans le nom de Jésus. Demande au Père d'ouvrir le ciel pour toi ce matin. Dis-lui, mon Père, ce matin, en ce jour, que le ciel s'ouvre pour mes prières. En ce jour, que ma prière puisse monter jusque devant le trône par le feu. En ce jour, que ma prière soit agréée devant le trône. En ce jour, que ma prière puisse monter devant toi comme un parfum de bonne odeur dans le nom de Jésus. Fais cette prière de foi. Commence à lui dire, Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur, en ce jour, en cette journée, alors que je me tiens dans ta présence, que le ciel s'ouvre aujourd'hui, que le ciel s'ouvre aujourd'hui pour mes prières, que le ciel s'ouvre aujourd'hui pour tous les sujets de prière que je vais monter devant toi, que le ciel s'ouvre aujourd'hui pour ma prière par le feu, que le ciel s'ouvre. Seigneur, que ma prière soit comme un parfum de bonne odeur devant toi ce matin, que ma prière soit comme un parfum de bonne odeur ce matin devant ton trône, que le ciel puisse s'ouvrir pour ma prière, que le ciel s'ouvre alors que je suis dans ta présence ce matin, alors que je cherche ta face ce matin, alors que je cherche ton nom ce matin, alors que je suis en train de chercher ta face, mon Père, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre dans le nom de Jésus, que le ciel s'ouvre pour mes prières par le feu, que le ciel s'ouvre pour mes prières par le feu, que par ton feu, mon Père, que le ciel s'ouvre pour mes prières, que le ciel s'ouvre pour mes sujets de prière, que le ciel puisse exaucer ma prière ce matin. Je t'en supplie, oh, demande au Père que le ciel exauce ta prière ce matin. La Bible déclare que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, dis-lui, mon Père, je viens à toi ce matin, que le ciel s'ouvre pour ma prière. Je viens à toi ce matin, que le ciel puisse exaucer ma prière. Je viens à toi ce matin, que la porte du ciel puisse s'ouvrir pour moi ce matin. Je viens à toi ce matin, que ma prière puisse trouver un écho devant ton trône ce matin. Accorde-moi cette grâce dans le nom puissant de
Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi que le ciel puisse s'ouvrir pour ta prière ce matin, que la prière que tu fais ce matin puisse monter, puisse trouver écho devant le trône dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tes paroles puissent arriver devant Dieu comme un parfum, que tes paroles puissent arriver devant Dieu comme un parfum de bonne odeur, que tes paroles puissent arriver devant Dieu dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu nous écoutes, merci Seigneur car tu exauces nos prières, merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, merci Seigneur parce que tu nous fais du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Nous voulons encore nous repentir devant Dieu. Nous voulons encore demander pardon pour tous les péchés connus et inconnus. Oui, car nous savons que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Alors nous voulons nous tenir encore devant son trône afin de demander pardon, pour que notre prière puisse monter devant lui, pour que notre prière puisse trouver une issue favorable, car Dieu n'aime pas le péché. C'est pour cela que là où tu te trouves, demande pardon au Seigneur pour tous les péchés que tu as commis. Demande pardon au Seigneur pour tous tes péchés connus, pour tous tes péchés inconnus, pour tous tes péchés conscients, pour tous tes péchés inconscients, et que le Père te fasse grâce encore ce matin. Commence à prier devant lui, commence à te repentir pour tous les péchés que tu as commis. Et si le Saint-Esprit expose à ton esprit un péché que tu connais, si le Saint-Esprit parle à ton cœur et te dit qu'il y a tel péché que tu as commis, alors n'hésite pas à nommer, à dénoncer ce péché, à renoncer à ce péché et à décider de tourner le dos à ce péché au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, ce matin, nous venons encore devant toi. Seigneur, nous venons encore te demander pardon. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Je refuse ce matin qu'un péché puisse bloquer ma prière. Je refuse ce matin qu'un péché puisse empêcher ma prière de monter devant ton trône. Je refuse, Père, ce matin, que tes oreilles soient fermées, soient bouchées à cause de mes péchés. C'est pour cela que, humblement, je viens ce matin te demander pardon. Pardonne mes péchés, pardonne les pensées de mon cœur, pardonne les paroles de ma bouche, pardonne, Seigneur, les méditations de mon cœur qui ne t'honorent pas. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, les pensées de mon âme qui ne t'honorent pas. Pardonne, Seigneur, oh Dieu de gloire, tout ce que je peux avoir comme pensée, tout ce que je peux avoir comme caractère, tout ce que je peux manifester comme réaction et qui n'est pas, Seigneur, qui n'est pas correct devant toi, qui ne cadre pas avec ta parole. Seigneur, je viens te demander pardon ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin et accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne les péchés de ma maison, pardonne les péchés de mes enfants, pardonne les péchés de ma famille, pardonne mes péchés, Seigneur, accorde-moi ta grâce ce matin. Je viens, Seigneur, te demander pardon. Je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que le péché me fait reculer en arrière et que la sanctification me fait avancer. C'est pour cela que je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toute chose que je fais et qui ne t'honore pas. Pardonne-moi toute parole que j'ai dite, Seigneur, et qui ne t'a pas honoré. Seigneur, je viens ce matin te demander pardon. Je viens ce matin m'humilier. Je viens ce matin, Seigneur, te dire, oh Dieu, que je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je refuse qu'un péché puisse m'accuser devant toi ce matin. Je refuse qu'un péché puisse bloquer le chemin ou encore l'issue de ma prière. Je refuse qu'un péché puisse m'accuser devant toi. Alors c'est pour cela que je viens te demander pardon. Accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon de mon âme. Merci Seigneur pour le pardon que tu m'accordes ce matin. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas encore invoquer le sang de Jésus. Tu vas appeler le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse encore te purifier ce matin. Que le sang de Jésus puisse purifier ton cœur. Que le sang de Jésus puisse purifier ton âme. Que le sang de Jésus puisse purifier ton corps ce matin. Esprit, âme et corps, que tu sois lavé, que tu sois purifié. Et que toute souillure, tout ce que le Père n'a pas planté, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté pendant que tu étais en train de dormir. Tout ce qui a été planté pendant que tu étais en train
pendant que tu étais inconscient, tout ce qui était planté au travers du monde, du monde des rêves, au travers du monde astral, quel que soit n'importe quel monde, que cela soit déraciné dans le nom de Jésus. Commence à prier, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse te laver ce matin, que le sang de Jésus puisse te laver ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus te lave ce matin. Que le sang de Jésus te purifie ce matin. Que le sang de Jésus te nettoie ce matin. Que le sang de Jésus purifie ta maison ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, Seigneur, je prie encore ce matin que ton sang puisse me laver. Ce matin, je viens encore, oui, me faire purifier par ton sang précieux. Que ton sang purifie ma vie, de la tête à la plante de mes pieds. Que ton sang lave ma vie. Je veux être purifié ce matin. Je veux que ma maison soit purifiée par ton sang précieux ce matin. Je veux que mes enfants soient purifiés par ton sang précieux ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Purifie-moi ce matin, purifie ma vie ce matin, par ton sang précieux, purifie mon cœur ce matin, purifie mon âme ce matin, purifie mes pensées ce matin. Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. C'est pour cela que ce matin, je viens plonger ma vie dans le sang de Jésus. C'est pour cela que ce matin, je viens plonger la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. C'est pour cela que ce matin, je viens nettoyer ma maison avec le sang de Jésus. C'est pour cela que ce matin, je viens arroser ma maison avec le sang de Jésus. Et Seigneur, que tout ce que tu n'as pas planté, que cela soit enlevé, que cela soit déraciné, que cela soit, Seigneur, détruit dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas planté soit détruit maintenant. Que toute semence que tu n'as pas plantée soit enlevée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang me purifie. Esprit, âme et corps, je viens nettoyer ma vie dans le sang de Jésus. Je viens nettoyer mon cœur dans le sang de Jésus. Je viens nettoyer mes pensées dans le sang de Jésus. Je viens nettoyer mon âme dans le sang de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus, je viens nettoyer ma vie dans le sang de Jésus. Purifie-moi ce matin, purifie mon cœur ce matin, purifie mes pensées ce matin, purifie ma vie ce matin, au travers de ton sang précieux, au travers de ton précieux sang, au travers, Seigneur, ô Dieu, de ton merveilleux sang, que tu puisses purifier ma maison, que tu puisses purifier tout ce qui m'appartient, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave ce matin, que le sang de Jésus te purifie ce matin. Car le sang de Jésus est mieux que le savon que tu peux utiliser. Le sang de Jésus est mieux que n'importe quel produit que tu peux utiliser sur la terre. Et que toute mauvaise semence qui a été semée alors que tu es en train de dormir, que cela soit déraciné ce matin, que cela soit enlevé ce matin, que les semences des ténèbres soient détruites ce matin, au nom puissant de Jésus. Que toute plante que le Père n'a pas plantée dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, dans ta maison, que cela soit déraciné ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang précieux, merci Seigneur pour ton sang précieux, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas encore te consacrer au Saint-Esprit ce matin. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enveloppe ma vie. Saint-Esprit, enveloppe ma vie pour que le péché n'y trouve plus la place. Que le péché ne trouve plus la place dans ta vie. Alléluia. Que le péché ne trouve plus la place dans ta vie. Dis au Saint-Esprit d'envelopper ta vie tel un vêtement. Saint-Esprit, enveloppe ma vie encore ce matin. Enveloppe ma vie pour que le péché n'y trouve plus la place dans le nom de Jésus. Que le péché ne trouve plus la place dans ma vie. Que le péché ne trouve plus la place dans mon cœur, que le péché ne trouve plus la place dans mes pensées, que le péché ne trouve plus la place dans mes actes. Saint-Esprit, je me consacre à toi ce matin. Enveloppe ma vie, prends ma vie, je te consacre mon cœur, je te consacre mon âme, je te consacre mes pensées, je te consacre mon esprit. Enveloppe ma vie, que le péché ne trouve plus de place, que le péché n'y trouve plus de place, que le péché ne puisse plus s'installer, que le péché ne puisse plus trouver la place dans mon cœur, que le péché ne trouve plus la place, qu'il n'y ait plus de faille pour que le péché puisse rentrer dans le nom de Jésus. Alléluia.
Fais la prière de consécration au Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Fais la prière de consécration au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité, que le Saint-Esprit qui te conduit, que le Saint-Esprit qui te montre le chemin que tu dois suivre, que le Saint-Esprit qui empêche, qui t'enlève les erreurs, que le Saint-Esprit qui t'empêche d'aller dans le trou, que le Saint-Esprit qui t'empêche d'aller dans un mauvais chemin, que le Saint-Esprit qui te conduit sur le chemin de la justice, puisse t'envelopper pour que le péché ne trouve plus la place dans ton cœur, que le péché ne trouve plus la place dans ta vie, que le péché ne trouve plus la place dans ton âme, que le péché ne trouve plus la place dans tes pensées, dans le nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit de t'envelopper. Très cher Saint-Esprit, ce matin, je viens encore, oh, dans ta présence, je te prie de m'envelopper encore. Enveloppe-moi, Saint-Esprit, enveloppe ma vie, Saint-Esprit, couvre ma vie, Saint-Esprit, remplis ma vie de ta présence pour que le péché n'y trouve plus la place dans le nom de Jésus, que le péché ne trouve plus la place dans ma vie. Saint-Esprit, je me consacre à toi ce matin, je te consacre mon âme, je te consacre mon esprit, je te consacre mon corps, je te consacre mes pensées, je te consacre mes émotions, je te consacre mon intelligence, je te consacre tout ce que je suis, je te consacre ma mémoire, je te consacre toutes choses. Tout ce qui concerne mon être, Saint-Esprit, prend le contrôle et que le péché ne trouve plus la place dans ma vie, que le péché ne trouve plus la place dans mon cœur, que le péché ne trouve plus la place, que je ne puisse pas tomber toujours dans le même péché. C'est pour cela que je me consacre à toi. Saint-Esprit, remplis-moi et que ton feu me remplisse maintenant de la tête à la plante de mes pieds. Que ton feu me remplisse maintenant de la tête à la plante de mes pieds. Que ton feu me remplisse maintenant. Que ton feu pénètre ma vie maintenant de la tête à la plante de mon pied. Je suis candidat. Je suis candidat, oh, à recevoir ton feu. Dis au Saint-Esprit ce matin, Saint-Esprit, je suis candidat. Candidat pour recevoir ton feu. Candidat pour recevoir le dépôt que tu veux me donner. Candidat pour recevoir ce que tu veux me donner ce matin. Saint-Esprit, j'ai le cœur qui est disposé et disponible à recevoir de toi. J'ai le cœur qui est disposé et disponible à écouter ta voix. J'ai le cœur qui est disposé et disponible à faire ta volonté. Remplis-moi de ton feu ce matin, dans le nom de Jésus. Remplis-moi de ton feu ce matin. Saint-Esprit, enveloppe-moi de ton feu ce matin. Le feu qui détruit le pouvoir du péché. Le feu qui détruit l'envie de péché, le feu qui détruit tout ce qui n'est pas de toi, le feu qui détruit le feu étranger. Ô Saint-Esprit, que ton feu, le feu qui est pur, le feu de la purification, le feu de la sanctification, le feu de la faveur puisse tomber sur moi maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je viens encore te consacrer ma vie. Je reconnais ce matin que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais ce matin que sans toi, Saint-Esprit, je suis perdu et je suis perdant. Je reconnais ce matin que sans toi, Saint-Esprit, je ne peux absolument même pas entendre Dieu. Saint-Esprit, oui, car l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est pour cela que, Saint-Esprit, je te prie de me remplir, afin que mon adoration soit une adoration en esprit et en vérité, afin que mon adoration puisse monter devant le trône de Dieu, afin que ma vie puisse faire le plaisir de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi de toi, car je reconnais que le succès, la réussite, la prospérité de ma vie dépend de toi, Saint-Esprit. Alors je te dis, remplis-moi tel un vase qui est vide, remplis-moi comme tu veux, remplis-moi, Saint-Esprit, et fais de moi ce que tu veux ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur encore. Nous rentrons maintenant dans notre prière de feu. Alléluia. David a dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Que tout filet qui te retient puisse se rompre ce matin au nom puissant de Jésus. Que ce matin, alors que tu dévances l'aurore, avant que le soleil ne se lève, que tu puisses rompre, que l'Éternel puisse détruire, qu'il puisse déchirer tout filet qui retient un quelconque domaine de ta vie par le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors tu vas prier avec moi ce matin, au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, ô Père, mon rocher des âges, il est ton rocher des âges. Bien-aimé, Dieu a plusieurs noms, utilise plusieurs noms pour ton Dieu, même un nom qui vient de toi, selon ta situation, tu donnes un nom à ton Dieu pour ce qu'il est pour toi. Alléluia. Tu vas dire avec moi, ô Père, mon rocher des âges, mon rocher des âges. Pulvérise maintenant ce matin.
pulvérise tous mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal. Je répète encore, ô Père, mon rocher des âges, pulvérise ce matin, pulvérise maintenant tous mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal. Bien-aimé, là où des ennemis conscients ou inconscients, connus ou inconnus, sont en train de mentionner ton nom pour le mal, n'importe où, quel que soit leur endroit, quel que soit là où ils se trouvent, quelle que soit leur localisation, que l'Éternel puisse les pulvériser maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Je répète encore, ô Père, mon rocher des âges, pulvérise tous mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal au nom puissant de Jésus. Là où on est en train de mentionner ton nom, quelle que soit la localité, pour le mal. Là où on est en train d'invoquer ton nom pour le mal. Là où on est en train de mentionner ton nom pour que le mal arrive. Là où on est en train de mentionner ton nom pour que tu puisses souffrir. Là où on est en train de mentionner ton nom pour que tu puisses prier. Que le Père puisse maintenant pulvériser tous tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Père, ce matin. Mon Père, mon rocher des âges, pulvérise ce matin tous mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal dans le nom puissant de Jésus. Commence à pulvériser par ton feu, commence à pulvériser par ton feu tous mes adversaires, tous mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi est en train de mentionner mon nom pour le mal, là où l'ennemi est en train de mentionner le nom de ma maison pour le mal, là où l'ennemi est en train de mentionner le nom de ma vie pour le mal, mon Père, que tu puisses le pulvériser maintenant avec le feu, que ton feu le pulvérise. Que ton feu les pulvérise dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ton feu les pulvérise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où, Seigneur, tous ceux des ténèbres sont en train de mentionner mon nom, sont en train de mentionner le nom de ma maison, sont en train de mentionner le nom de ma famille, sont en train de mentionner le nom de mon foyer pour le mal, pour les mauvaises choses, pour que le mal puisse arriver. Oh, que tu les pulvérises maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tu les pulvérises maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient pulvérisés au nom de Jésus. Qu'ils soient pulvérisés au nom de Jésus. Qu'ils soient pulvérisés ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Père, ce matin, mon rocher de Zache, ce matin, commence à pulvériser, pulvérise mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal, qui mentionnent mon nom, quelle que soit leur localité, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur source, qu'ils soient assis, qu'ils soient debout, qu'ils soient en train de faire n'importe quoi, n'importe quelle chose, là où mon nom est mentionné pour le mal. Mon Père, oh, que tu les pulvérises par le feu dans le nom de Jésus. Commence à pulvériser toute assemblée des ténèbres qui mentionnent mon nom pour le mal. Commence à pulvériser toute assemblée des ténèbres qui mentionne le nom de ma famille pour le mal. Commence à pulvériser toute assemblée des ténèbres qui mentionne ton église pour le mal. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient dispersés et confus par ton feu. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés et confus par ton feu. Là où il y a l'assemblée des ténèbres. Là où il y a l'assemblée des ténèbres qui se réunissent sur mon nom, qui se réunissent sur mon nom, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ô mon rocher des âges, commence à pulvériser, pulvérise mes ennemis qui mentionnent mon nom n'importe où pour le mal. Là où les gens se rassemblent pour mal parler, Seigneur, de ton église. Là où les gens se rassemblent pour mal parler, Seigneur, pour ma famille. Là où les gens se rassemblent pour mal parler pour ma maison. Seigneur, qu'ils soient pulvérisés par ton feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où la bouche des ténèbres, bien-aimé, est en train de maudire ta vie. Là où la bouche des ténèbres est en train de maudire ta maison. Là où la bouche des ténèbres est en train de maudire ta destinée. Oh, que le feu de Dieu les pulvérise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les pulvérise maintenant. Là où le monde des ténèbres est en train de maudire ton mariage. Là où le monde des ténèbres est en train de maudire ta santé. Là où le monde des ténèbres est en train de maudire ta destinée. De maudire ton avenir. De maudire ton étoile, qu'il soit pulvérisé par le feu dans le nom de Jésus. Qu'il soit pulvérisé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il soit pulvérisé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il soit pulvérisé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il soit détruit, qu'il soit pulvérisé maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, que tous les plans des ténèbres contre toi, que tous les plans des ténèbres contre ta destinée, contre ton mariage, contre ta vie, soient pulvérisés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus,
Partout où on est en train de mentionner ton nom, dans les ténèbres, pour que le mal t'arrive. Partout où on est en train de mentionner ton nom, même dans le monde physique, pour que le mal t'arrive. Que le feu de Dieu les pulvérise au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les pulvérise au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les pulvérise dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les pulvérise dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Nous sommes en train de prier l'intercession de feu. Alléluia. Nous sommes en train de prier ce matin la prière de feu. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des combats que tu n'as pas idée. Il y a des familles qui ont des combats que tu n'as pas idée. Peut-être que toi-même qui es connecté ici, tu as des combats, mais tu ne sais pas. Tu les ignores en fait, mais tu es dedans. Mais tu les ignores. Il y a un filet qui est là, mais tu les ignores. Ce matin, nous sommes en train de détruire tout ce qui est des ténèbres par le feu de Dieu. Nous sommes en train d'appeler la main puissante de Dieu afin qu'elle ramène la délivrance dans ta vie, afin qu'elle ramène la délivrance dans ta famille, afin qu'elle ramène la délivrance dans ta maison. À un moment donné, bien-aimé, il faut se révolter. À un moment donné, il faut refuser ce que le diable veut t'imposer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore dire avec moi ce matin. Alléluia. Tu vas dire avec moi ce matin. Alléluia. Tu vas dire, toute ancienne porte de ma famille qui me garde prisonnier, brisez-vous maintenant par le feu au nom de Jésus. Adresse-toi à cette porte ancienne de ta famille. Toute ancienne porte de ma famille qui me garde prisonnier, cette porte qui est en train de t'enfermer, cette porte qui est en train de te bloquer, cette porte qui, la porte de ta famille, l'ancienne porte de ta famille depuis des ancêtres, c'est la même porte qui bloque tout le monde, c'est la même porte qui bloque tout le monde. Tu vas t'adresser à cette porte ce matin parce que tu pries par le feu. Tu vas dire, toute ancienne porte de ma famille qui me garde prisonnier, brisez-vous par le feu maintenant au nom de Jésus. Brisez-vous par le feu ce matin au nom de Jésus. Brisez-vous par le feu. Soyez calcinés par le feu au nom de Jésus. Soyez réduits en cendres au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. 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 Toute ancienne porte de ma famille qui me garde prisonnier, brisez-vous par le feu dans le nom puissant de Jésus. Toute ancienne porte de ma famille qui me garde prisonnier, brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. Toute ancienne porte de ma famille qui réclame ma vie, soyez réduits en cendres au nom puissant de Jésus. Soyez réduits en cendres par le feu au nom puissant de Jésus. Toute ancienne porte qui réclame mon étoile, brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute ancienne porte de ma famille qui me garde prisonnier, brisez-vous par le feu ce matin. Brisez-vous par le feu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à détruire cette ancienne porte. Cette ancienne porte qui réclame ta vie. Cette ancienne porte qui veut te garder prisonnière. Cette ancienne porte de ta famille qui te garde prisonnière. Qu'elle soit brisée ce matin. Qu'elle soit brisée par le feu. Qu'elle soit brûlée par le feu. Qu'elle soit réduite en cendres ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute ancienne porte de ma famille qui garde mes enfants prisonniers. Brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. 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 Que cela soit brisé. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, David a dit, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alors tu vas prier avec moi ce matin et tu vas dire maintenant, tu vas prendre autorité sur les liens, sur tout lien territorial. Alors tu vas dire avec moi, tout lien territorial, c'est-à-dire les liens des territoires, tout lien territorial limitant ma percée, limitant ma prospérité, limitant ma vie, brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Bien-aimé, les liens qui limitent ta percée, tout lien territorial qui te garde dans le même territoire, qui te garde au même endroit, qui te garde dans la même position, qui ne veut pas que tu puisses avancer, que ce lien puisse se briser au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi au nom de Jésus. Tout lien territorial limitant ma percée, brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus.
Tout lien territorial limitant ma percée, brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. Tout lien territorial limitant ma vie, brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. Tout lien territorial bloquant mon étoile, brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. Tout filet territorial brisant, tout filet territorial limitant ma percée, limitant ma prospérité, limitant mon avancée, oh, brisez-vous par le feu dans le nom de Jésus. Commence à briser tout lien territorial. Le lien peut aussi être ce filet parce que le filet limite un oiseau. Quand un oiseau est pris dans un filet, il ne peut rien faire, il est bloqué. C'est la même chose, c'est la même image, que ce filet se brise dans le nom puissant de Jésus. Tout lien territorial limitant ma percée, brisez-vous maintenant par le feu au nom de Jésus. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Brisez-vous par le feu, soyez brûlés, soyez réduits en cendres par le feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout lien qui veut me retenir dans le même territoire, tout lien qui veut me retenir dans la stagnation, tout filet de l'oiseleur qui veut retenir ma santé, qui veut retenir ma vie, qui veut retenir mon mariage, brisez-vous par le feu dans le nom de Jésus. Soyez brisés par le feu dans le nom de Jésus. Soyez détruits par le feu dans le nom de Jésus. 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 Brisez-vous par le feu. Brisez-vous par le feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un écrit, Maman Frida, je sens des picotements dans ma jambe pendant ma prière. Je sens des picotements. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, ça c'est DGM, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, que cela soit expulsé maintenant au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, que tout ce qui n'est pas de Dieu, j'ordonne à toute mauvaise semence de quitter ta vie maintenant dans le nom de Jésus et que ta vie soit restaurée, que tout filet des ténèbres qui est en train de retenir tes pieds, qui était en train de limiter ta vie, soit détruit ce matin dans le nom de Jésus. Soit anéanti ce matin dans le nom de Jésus. Soit brisé ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons notre prière. Ah, David a dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. C'est pour cela que tu vas encore prier ce matin et tu vas dire à ton Dieu, oh Seigneur, retire-moi du filet caché qui me retient captif. Retire-moi du filet, délivre-moi de ce filet caché qui me retient captif. Bien aimé, il y a des filets qui sont cachés. Tu ne sais pas que c'est un filet. Toi, tu penses seulement que c'est normal. Toi, tu penses que ce qui t'arrive est tout à fait normal. C'est comme tout le monde. Mais toi, c'est un filet. Que l'Éternel te délivre de ce filet. Que l'Éternel te retire. Retire ce filet. Alléluia. Tu vas dire, oh Seigneur, retire-moi du filet caché qui me retient captif au nom de Jésus. Retire-moi du filet caché qui est en train de troubler ma vie au nom de Jésus. Retire-moi du filet caché qui est en train de me piéger au nom de Jésus. Retire-moi de ce filet caché qui est en train de ramener la confusion dans ma vie au nom de Jésus. Retire-moi du filet caché qui retient ma santé au nom de Jésus. Retire-moi du filet caché qui est en train de bloquer ma famille au nom de Jésus. Retire-moi du filet caché. Commence à prier. Commence à prier. Oh, que l'Éternel puisse te retirer de ce filet. Que ce filet puisse se rompre ce matin. Dans le nom de Jésus. David a dit, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Oui, tu t'échappes ce matin au nom de Jésus. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Tu t'échappes ce matin dans le nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur, retire-moi du filet caché qui me retient captif au nom de Jésus. Retire-moi du filet caché qui retient ma vie captive par le feu au nom puissant de Jésus. Retire-moi du filet caché qui est en train, Seigneur, d'oppresser ma vie au nom puissant de Jésus. Retire-moi du filet caché qui me retient captif au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à prier que l'Éternel te retire ce matin de ce filet caché. Que l'Éternel te retire ce matin de ce filet caché qui est en train de retenir ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te retire du filet caché qui est en train de retenir ta vie dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, retire-moi du filet caché qui me retient captif au nom puissant de Jésus. Retire-moi du filet caché qui retient ma vie captif au nom puissant de Jésus. Retire-moi de ce filet invisible qui bloque mon mariage, qui bloque ma vie, qui bloque un domaine même que j'ignore de ma vie. Retire-moi de ce filet caché qui, Seigneur, exerce un trouble dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Retire-moi de ce filet caché qui réclame mon étoile dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te retire de ce filet caché
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te retire de ce filet caché au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, alors que nous sommes à la porte de l'aurore et que nous sommes en train de défoncer l'aurore, avant que le soleil ne se lève, tu vas maintenant exercer un jugement. Tu vas prier avec moi par le feu. Fais-le par la foi. Alléluia. Quand tu pries, prie par la foi. J'insiste encore. Priez par la foi. Priez par la foi. Priez par la foi. Alors tu vas dire avec moi. Tu vas appeler tes bénédictions qui ont été cachées. Tes bénédictions qui sont retenues. Alléluia. Tu vas dire avec moi ce matin. Mes bénédictions cachées et retenues. Je vais aller tout doucement. Mes bénédictions cachées et retenues en l'air, dans les eaux et sous la terre. Je vous ordonne de sortir par le feu au nom de Jésus. Adresse-toi à tes bénédictions. Bien-aimé, quand on fait la prière d'autorité, des fois on s'adresse directement à la montagne, on s'adresse directement au problème. Ayez comme si vous parlez à quelqu'un, adressez-vous à vos bénédictions. Disposez votre esprit à parler à vos bénédictions. Mes bénédictions cachées et retenues, en l'air, dans les eaux et sous la terre, je vous ordonne de sortir par le feu au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de me rejoindre ce matin au nom puissant de Jésus. Mes bénédictions cachées et retenues en l'air, donc dans les airs, dans les eaux et sous la terre. Vous pouvez rajouter aussi dans les rivières, dans la forêt. Je vous ordonne de sortir par le feu au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de me localiser par le feu au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de rejoindre ma vie par le feu au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à appeler tes bénédictions, les bénédictions qui sont cachées, les bénédictions qui sont retenues, que ces bénédictions puissent venir à toi. Tes bénédictions qui sont retenues, tes bénédictions qui sont cachées dans l'air, alléluia, dans les eaux, sous la terre, dans la forêt, dans les montagnes, dans les rivières, que tes bénédictions sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de sortir par le feu. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de rejoindre ma vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as l'autorité. C'est pour cela que le Seigneur a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as reçu le pouvoir, oui, de parler à une montagne, parce que tu as la foi, par la foi, de dire à une montagne de quitter à un endroit et de se jeter dans la mer. Oui, tu peux appeler tes bénédictions à te joindre. Tu peux appeler tes bénédictions à te rejoindre. Tu peux appeler tes bénédictions à venir vers toi. Tu peux appeler tes vertus qui ont été cachées, tes vertus qui ont été enterrées, ton étoile qui a été enterrée, tes capacités qui ont été enterrées, tes dons qui ont été étouffés, de te rejoindre à partir d'aujourd'hui si tu as la foi dans le nom de Jésus. Que cela puisse te rejoindre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vous ordonne de sortir par le feu au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de localiser ma vie par le feu maintenant au nom de Jésus. Je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne d'être maintenant libéré dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui est bloquée dans les airs, je te récupère ce matin au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui est bloquée sous la terre, je te récupère maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui est bloquée dans les eaux, je te récupère maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui est bloquée sous la terre, je te récupère maintenant au nom puissant de Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui est bloquée dans la forêt, je te récupère maintenant dans le nom de Jésus. Je te récupère dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Récupère, récupère, récupère dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que ce matin, je récupère la bénédiction qui m'appartient. Je déclare que ce matin, je récupère mes bénédictions qui sont retenues. Je déclare ce matin, je récupère mon étoile qui m'appartient. Je déclare ce matin, je récupère ma portion de bénédiction qui m'appartient. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Tout ce qui m'appartient et qui est retenu, qui est retenu dans ma famille, je le récupère maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient
et qui est retenu par les méchants. Je le récupère maintenant par la foi au nom puissant de Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui est retenue à n'importe quel endroit, je le récupère maintenant par la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant pour notre journée. Nous passons à la prière de traitement. Prière de traitement et nous allons terminer là. Gloire à Dieu. Nous passons à la prière de traitement. Prière de traitement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors tu vas dire avec moi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et je déclare qu'elle est pour moi un sujet de joie. Cette journée est pour moi un sujet de bonne nouvelle. Cette journée est pour moi un sujet de faveur. Cette journée est pour moi un sujet de guérison, un sujet de miracle, un sujet de témoignage dans le nom de Jésus. Commence à déclarer sur ta journée au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer sur ta journée dans le nom de Jésus. Oh, je déclare ce matin, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour ma vie un sujet de joie. Je déclare que cette journée est une journée de faveur pour moi. Je déclare que cette journée est une journée de joie pour moi. Je déclare que cette journée est une journée de vie pour moi. Je déclare que cette journée est une journée de faveur pour moi au nom de Jésus. Je déclare que cette journée est une journée merveilleuse pour moi dans le nom puissant de Jésus. Car c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée que l'Éternel m'a donnée. C'est la journée que l'Éternel m'a donnée afin de me bénir. Alors je déclare qu'elle est pour moi un sujet de bonne nouvelle. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de faveur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'elle est pour moi un sujet de bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi encore ce matin et tu vas dire au nom puissant de Jésus, je déclare que ce matin, toute montagne qui a été dressée contre moi s'aplanit maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, toute montagne qui a été dressée contre moi s'aplanit maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que toute montagne qui a été dressée devant moi, toute montagne qui a été préparée pour me bloquer, s'aplanit maintenant, est aplanie maintenant dans le nom de Jésus. Commence à aplanir cela dans le nom de Jésus. Aplanis toute montagne qu'on a dressée contre toi en cette journée. Oui, aplanis toute montagne qu'on a dressée contre toi par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 je déclare ce matin que toute montagne qui a été dressée contre moi en ce jour est aplanie par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare maintenant tout piège qui a été placé sur mon chemin en cette journée est maintenant détruit par le feu dans le nom puissant de Jésus. Car c'est la journée que l'Éternel a faite, elle est pour moi un sujet de joie, elle est pour moi un sujet du salut, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore et tu vas déclarer ce matin, tu vas dire mon Père, en cette journée, je me présente, alléluia, tu vas dire je me présente devant la banque céleste ce matin. Si tu as des problèmes de finances, présente-toi par la foi. Tu dis, je me présente devant la banque céleste ce matin pour récupérer, alléluia, pour récupérer mon chèque au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu peut te donner des finances. Dieu peut pourvoir à tes finances. Il est le Dieu de miracles. Nous prions le Dieu de miracles. Il peut te donner des finances parce que tu as besoin de finances. Par miracle, tu ne sais pas d'où ça vient. Déclare seulement ce matin, je déclare ce matin que je me présente devant la banque céleste et je récupère mon chèque au nom de Jésus. Je récupère le chèque qui finit mon problème financier au nom puissant de Jésus. Et si tu es malade ce matin, déclare par la foi dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en ce jour, je déclare que ce matin, je me présente devant la clinique céleste. Je me présente devant la clinique céleste pour recevoir le traitement pour ma guérison totale dans le nom de Jésus. Pour recevoir le traitement pour ma guérison totale. Si tu as un problème au tribunal, tu vas le dire par la foi, tu vas dire au nom puissant de Jésus, je déclare que ce matin, je me présente devant la cour de grande instance céleste afin d'obtenir mon jugement, afin d'obtenir mon jugement dans le nom de Jésus. Oui, si ton affaire est en train de traîner au tribunal, ton affaire est en train de traîner, on ne te donne pas le jugement,
On n'est pas en train de traiter ton affaire. Alléluia. Tu vas dire, je me présente ce matin devant la cour de grande instance céleste pour le traitement de mon affaire au nom puissant de Jésus, afin que le jugement soit donné au nom puissant de Jésus, afin que mon affaire soit traitée au nom puissant de Jésus. Commence à prier selon ta situation dans le nom de Jésus. Commence à prier selon ta situation. Bien-aimé, c'est des prières que tu fais par la foi. C'est les prières que tu fais par la foi. Fais-la tout simplement par la foi. Crois qu'alors que tu es en train de prier, Dieu est en train de faire. Présente-toi devant la cour de grande instance céleste. Présente-toi devant la clinique céleste ce matin. Présente-toi devant la banque céleste ce matin, dans le nom de Jésus. Présente-toi devant la pharmacie céleste ce matin pour recevoir le médicament qui va traiter totalement ta maladie au nom de Jésus. Déclare cela ce matin, dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas encore dire, mon Père, en cette journée. Mon Père, en cette journée. Je mets un mur de séparation entre moi et le péché. Je mets un mur de séparation entre moi et le péché. Que je puisse marcher dans la sanctification. Que je puisse marcher dans la consécration. Que je puisse garder, préserver ma foi. Mon Père, en ce jour, que je ne marche pas dans le péché, dans le nom de Jésus, garde ma foi, préserve-moi, que je garde le manteau de la consécration, qui est un mur de séparation entre moi et le péché, dans le nom de Jésus. En cette journée, qui est un mur de séparation entre moi et les sollicitations du diable, dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un mur de séparation entre moi et les choses des ténèbres, dans le nom de Jésus. Mets un mur de séparation. Le mur de séparation du sang de Jésus. Le mur de séparation du sang de Jésus. Et qu'en cette journée, tu puisses manifester la sanctification. En cette journée, que tu puisses manifester le cœur pur. En cette journée, que tu puisses manifester la lumière du monde que tu es. En cette journée, que tu puisses manifester le sel de la terre que tu es. En cette journée, que tu puisses être cet enfant de Dieu que tu es, dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un mur de séparation entre toi et le péché, dans le nom de Jésus, entre toi et le péché, un mur de séparation. Et que le Père mette dans ton cœur une haine parfaite du péché. Que le Saint-Esprit mette dans ton cœur la haine du péché. Alléluia. Que le Saint-Esprit mette dans ton cœur la haine du péché. Tu dois haïr le péché. Un enfant de Dieu doit haïr le péché. Un enfant de Dieu doit refuser le péché. Oh, je prie ce matin que le Saint-Esprit mette dans ton esprit, mette dans ton cœur la haine du péché en ce jour et que tu ne puisses pas pratiquer le péché, mais que tu marches dans la sanctification dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est possible de ne pas se compromettre. C'est possible de marcher dans la purité. C'est possible de manifester Christ à une grande dimension, à une dimension élevée. C'est possible d'avoir un esprit supérieur d'enfant de Dieu. C'est possible de marcher dans la conformité de la parole de Dieu. C'est possible que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi ce matin, je déclare ce matin que les chemins que Dieu n'a pas prévus pour toi en cette journée, que tu ne puisses pas les emprunter, que tu n'empruntes pas le chemin que Dieu n'a pas prévu pour toi, que tu ne rencontres pas les gens que Dieu n'a pas prévus pour toi en ce jour, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin qu'en cette journée, les mauvaises personnes s'éloignent de toi et de tes enfants, dans le nom de Jésus. En cette journée, que les mauvaises personnes ne viennent pas dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Que tout celui qui a un mauvais cœur, que tout celui qui a des mauvaises prédispositions, que tout celui qui a été préparé par Satan contre toi, s'éloigne de toi en cette journée, dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes pièges que le diable a préparé contre toi en ce jour, oh, ne te rencontre pas aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Je déclare que je brouille les pistes, je déclare que je brouille les chemins, je déclare que je brouille les pistes maintenant au nom de Jésus, que ces personnes ne te rencontrent pas, dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes que le diable a préparées contre toi comme des portes pour te faire pleurer, comme des portes pour te faire souffrir, comme des portes pour ramener le malheur dans ta maison, que ces personnes soient loin de toi au nom de Jésus. Et je déclare ce matin que toutes les personnes que Dieu a disposées pour te bénir puissent te rencontrer aujourd'hui au nom de Jésus. Que les personnes que Dieu a disposées, que Dieu a préparées en cette journée pour te faire du bien, que tu les rencontres dans le nom de Jésus. Je détruis les obstacles que l'ennemi peut mettre entre toi et ta bénédiction. Que toutes les personnes qui portent en eux une bénédiction, un conseil, quelque chose qui va ouvrir, qui va ramener une
percée dans ta destinée, que ces personnes, tu puisses les rencontrer en ce jour, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel attire à toi les bonnes relations, que l'Éternel attire à toi les bonnes personnes, que l'Éternel attire à toi des personnes qui vont ramener un plus dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et qu'en cette journée, la porte de la promotion s'ouvre pour toi, que la porte du percée s'ouvre pour toi, que la porte de la percée s'ouvre pour toi, que la porte du bonheur s'ouvre pour toi. David pouvait dire avec audace, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon père. Oh, que le bonheur et la grâce t'accompagnent en ce jour dans le nom de Jésus. Que ces jumeaux que sont le bonheur et la grâce puissent t'accompagner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que la joie du Seigneur puisse t'environner comme un vêtement. Que la joie du Seigneur puisse t'environner comme un manteau. Que la joie du Seigneur soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et que cette journée te soit favorable. Que le soleil te soit favorable. Que la pluie te soit favorable. Que le vent te soit favorable. Que tous les éléments de cette journée te soient favorables dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare en ce jour, le soleil ne te frappera pas. La pluie ne te jugera pas. La terre ne te jugera pas dans le nom puissant de Jésus. Mais tous les éléments vont travailler pour toi, pour ta bénédiction, dans le nom de Jésus. Et que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de toi afin de t'arracher, d'arracher tes enfants du danger, dans le nom de Jésus. Que toutes les pierres de feu qu'on a mises sur ton chemin soient enlevées, soient détruites par le feu de Dieu, dans le nom de Jésus. Et qu'en ce jour, un miracle vienne dans ta maison, au nom de Jésus. Que l'Éternel qui répond par le feu, réponde ta prière, exauce à ta prière ce matin et te fasse du bien en cette journée, dans le nom de Jésus-Christ. J'en suis prié. Amen. Dis tout simplement merci Seigneur parce que tu m'as exaucé par le feu. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé par le feu. Dites merci au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé par le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Ce que j'ai demandé et ce que je n'ai pas demandé. Seigneur, je sais que toi qui connais toutes choses, tu m'as accordé le meilleur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es bon. Alors bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Ne partez pas si vite. Aimez tout simplement la vidéo. Alléluia. Aimez tout simplement la vidéo. Aimez la vidéo. Et si vous n'avez pas une église d'attache, alors la tour de prière se meurt. L'assemblée des passionnés de Christ peut devenir votre église. Je vous invite ce vendredi à partir de 18h au 1 rue Fernand Reynaud, la zone industrielle de la Porte Paris. 91100 Corbeil-Essonne, ou encore le dimanche, venez prier avec nous à partir de 11h au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte Paris, 91100 Corbeil-Essonne. Que le Seigneur vous bénisse. Et si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner, sur la cloche de notification et aimez la vidéo. Cliquez sur s'abonner, sur la cloche des notifications et aimez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne que vous avez prié, vous avez participé à cette prière et qu'il vous fasse du bien, du bien, du bien au-delà de votre prière, au-delà de vos espérances. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et ce soir, nous sommes, plutôt aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous aurons les affermissements ce soir. Connectez-vous sur l'autre chaîne qui est l'Assemblée des passionnés de Christ TPS. Allez vous connecter là-bas, nous donnons les cours d'affermissement. À partir de 19h, nous serons connectés sur notre chaîne. Donc, allez vous abonner, suivez les cours d'affermissement, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider dans votre parcours chrétien, ça va vous faire grandir et ça va vous éviter beaucoup de dégâts. Alléluia, très important de connaître la parole de Dieu. Alors, allez vous abonner rapidement sur Assemblée des passionnés de Christ TPS. Comme ça, vous aurez la notification à 19h. Quand on va faire les cours d'affermissement et vous allez recevoir aussi le document qui va avec. À chaque fois, nous envoyons un document du cours qui va avec la vidéo. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Ciao, ciao. Jésus est bon, eh. Il est bon, aïe, eh. Il est bon, aïe, eh.
Jésus a gagné. Jésus a gagné. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.